capable d'absorber, de pousser vers le haut. Un formateur APAV expérimenté, des apprentis assidus. Ce matin, les futurs techniciens de maintenance apprennent les gestes d'intervention sur une installation de ventilation. Dans quelques mois, ils seront opérationnels pour appliquer en entreprise toutes les connaissances acquises au centre de formation APAV de Taverny, près de Paris. Le nouveau CFA, le centre de formation des apprentis, prépare au titre de technicien de maintenance en CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Le centre de Taverny était déjà sur ce type de parcours, mais pas sur l'apprentissage, et donc c'est le premier CFA APAV en Île-de-France. Ça fait partie des enjeux aujourd'hui du groupe APAV que de s'engager sur cette activité forte qu'est la formation métier. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'amener à la fois ces stagiaires vers un titre professionnel, mais aussi vers un emploi, avant tout. Cette formation se fait en alternance. Alors, en proportion, ça doit faire à peu près 50-50, on va dire. 50% de théorie et 50% de travaux pratiques sur les plateformes qui sont ici, qui répondent exactement aux critères demandé par le référentiel. Les apprentis de la première promotion décrocheront un contrat de travail à l'issue des 65 jours de formation et des semaines passées en conditions réelles en entreprise ou dans un établissement public. Les candidats au titre de technicien de maintenance en CVC ont été sélectionnés par APAV, un accompagnement apprécié des entreprises en recherche de main-d'œuvre qualifiée sur des métiers en tension. Nous avons deux jeunes qui suivent donc ce parcours de TMCVC, l'un sur les réseaux de chaleur et l'un sur un hôpital. Et c'est vrai que le suivi régulier et le lien entre l'APAV et Dalkia est plutôt satisfaisant dans un parcours gagnant-gagnant. Nous sommes sur un véritable métier pénurique et l'objectif de Dalkia, c'est d'accompagner sa croissance par le biais justement de l'apprentissage qui permet, un, de former de nouveaux collaborateurs au métier, deux, de répondre à une problématique de recrutement qui est de plus en plus importante. Et trois, il est très important justement de tisser des liens territoriaux dans la mesure où nous souhaitons recruter localement de jeunes alternants afin de répondre au mieux justement à nos besoins qui se trouvent dans les territoires à proximité du centre de l'APAV. Le CFA, véritable tremplin vers l'emploi, les apprentis l'ont bien compris, leur motivation est à la hauteur des besoins des futurs recruteurs. Les entreprises maintenant, elles ont besoin de personnes compétentes sur les technologies actuelles. Donc moi, mes compétences avant, elles étaient un peu, on va dire, démodées. Mais là, cette formation me permet de me basculer vers l'emploi et surtout un métier d'avenir. C'est un métier où je suis sûr que, à la sortie de cette formation, c'est sûr que j'ai un emploi. Une formation certifiée par l'État et reconnue par les entreprises, un contrat en CDI, des partenaires solides, le CFA de Taverny fait des émules. Le parcours existe déjà en région. Grâce aux platines mobiles, APAV couvre l'ensemble du territoire national.